Hey, salut! Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, bah, on a décidé de faire une petite vidéo tuto, Ouais, recette. ça faisait longtemps. Alors Ouais. avant de commencer les recettes, on va vous donner vite fait des petites nouvelles, hein. Donc, on s'est habitué. Ouais, on est à plus de 3 semaines là, de confinement. C'est ça, donc on s'est habitué, c'est un grand mot, hein, bien évidemment, mais on continue, on est dans le train-train, on est dans la routine. On bosse, et puis là, ce sont les vacances. Puis on profite, on est quand même ensemble, donc c'est plus Ouais. important, c'est ce qu'on recherche. Alors je sais pas si vous voyez derrière, on a quand même un très très beau soleil en ce moment, ça fait quelques jours là que ça continue. Ça fait du bien. Donc on profite. Voilà, on rattrape notre retard en boulot, on se forme, on profite des filles. Donc comme je vous l'ai dit il y a 30 secondes, ce sont les vacances. Donc du coup, là, on va se faire 2 semaines tranquilles. Ça nous permet aussi de réfléchir à certaines choses pour le futur, en règle générale. Et Mais de quoi tu parles? et puis voilà. Non, en gros, tout va bien. Voilà, c'est tout ce qu'on Tout va voulait vous très dire. bien. On nous demande des nouvelles, donc tout va super bien. On attend comme tout le monde avec impatience la sortie au moins du confinement sur les îles. On se dit qu'étant sur les îles, on devrait sortir, je pense, avant la péninsule. Enfin, on espère en tout cas. Donc voilà, on attend ça, mais voilà. Donc on fait comme tout le monde, on attend, tout va bien en tout cas. On est en bonne santé et ça, c'est le principal. On va vous montrer trois petites recettes qui sont des recettes spéciales fana de chocolat. Et oui, alors c'est pas trop le cas de Julien, mais par contre c'est mon cas et les filles sont pas mal comme moi aussi. Trois recettes chocolat, très rapides à faire, trois ingrédients, quatre pour ceux qui aiment un peu plus sucré, mais voilà, et très facile à faire. Voilà, alors maintenant on vous montre ça tout de suite, c'est parti!
Bon, j'espère que... Oh, je suis très mal coiffée. Moi aussi, ça va, regarde. J'ai quelques petits épis, là. Oh, il y en a un beau derrière. Allez, hop, je le cache. On va avoir besoin du coiffeur, comme tout le monde, en fait. Tour dans un gazon, sinon. Hein. Bon, on espère que ces petites vidéos recettes vous ont plu. Alors, ça a été assez rapide à faire, quand même. Hein. C'est assez simple, comme vous avez vu. C'est le but. Et c'est ce que l'on cherche. C'est ne pas avoir 50 000 ingrédients, surtout lorsqu'on prend la route, pour pouvoir faire des desserts. N'est-ce pas, Marina? Eh oui, parce que c'est très important. Julien? Merci. Non, et puis surtout, c'est que comme on veut être pas mal sur les routes, on vous en parlera un jour, je vous jure qu'on en parlera, c'est important aussi de se dire qu'on ne veut pas passer beaucoup de temps en cuisine, donc des choses rapides, avec peu d'ingrédients. Pourtant, j'adore, on me donne une bonne recette de gâteau, je vais adorer le faire, mais voilà. Et puis en plus, regardez, c'est super. Voilà. C'est bon, super sans pour bon. Autant faire du tout prêt quand même. Hein. Sans pour autant faire du tout prêt, c'est simple, c'est rapide, c'est gourmand, c'est tout ce que vous voulez. Vous pouvez toujours trouver des variantes après, à vous de faire fonctionner votre imagination. Et puis, ben voilà, je crois que c'est déjà pas mal. Essayez les recettes, peut-être que vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à nous les donner. Si vous les essayez, n'hésitez pas à nous redonner vos retours. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, on n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, de s'abonner et surtout... Choose your life. À bientôt, ciao. We'll be right back.